Oui, vous voulez rajouter pour même, même si nul n'est indispensable. Je suis d'accord. Absolument. Je suis d'accord. Allez-y. Non, très rapidement, je voulais dire que l'ancien président Alpha Condé a collaboré qu'avec les anciens ministres et cadres du régime et l'ancien Conté. Donc si Doumbia en fait ouais, la même chose. Bah parce qu'on a reproché il en a exagéré. Il en avait exagéré quand même. Il a privilégié les talents et les ministres. Vous avez vu où ça l'a mené. Non, non, maintenant, je vous dis. Mais avec Alpha Condé, c'était comme un bal de pompiers. C'était les mêmes qu'on reprenait. Donc les mêmes qui dansaient. Non, mais c'est clair. Non, mais c'était impossible. C'était impossible de penser. Mohamed, à l'époque, c'était impossible de penser qu'il y ait autant d'ouvertures pour, notamment pour la jeunesse. Mais même au RPG Arc-en-Ciel, on n'a jamais fait la promotion des jeunes cadres au sous Alpha Condé. C'est si ça vous, la vérité, Mohamed. Si vous parlez, mais il faut ouvrir. Non, si vous parlez, mais l'administration n'est pas un club fermé. Aujourd'hui, plus de jeunes qui ont des compétences, qui ont fait de bonnes études à l'étranger, sont en train donc de prendre leur place qu'ils méritent au sein de notre appareil administratif. Je suis tout à fait d'accord. Non, il ne faut pas nous rappeler ce... cet ancien système, franchement, qui n'a servi qu'à un petit groupe, à un groupe excuse, s'il te plaît. Non, ça c'est selon toi. S'il te plaît. C'est selon toi, c'est ce que je veux dire. Allez demander au RPG Arc-en-Ciel, ce qu'ils retiennent d'Alpha Condé en termes de nomination, en termes de promotion des jeunes. Non, mais je pose la question parce que c'est le RPG qui était au pouvoir. C'est ce que je veux dire. Oui. L'ancien président Alpha Condé a approché les anciens de l'ancien Conté. Mais si Doumbia a fait la même chose, donc ça mais c'est qu'il a été fatal d'ailleurs. Non, on ne le sait pas. Mais c'est ce qui a été fatal. Oui, mais bien sûr, Mohamed, franchement. C'est la révision constitutionnelle. Wall. Et je voudrais dire rapidement à Doyen Dian que ceux qui se réjouissent aujourd'hui, vous parlez du peuple, moi je les appelle les soutiens de façade de Colonel Doumbia. Ben... ce sont des personnes qui ont seulement aimé le départ du président Alpha Condé, bien. Mais n'aiment pas Doumbia. Et ça, il faut le reconnaître. Non, non, vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien, monsieur. On se calme, vous n'en savez rien, monsieur. Les leaders viennent juste au pouvoir. Monsieur, il y a des vrais soutiens du colonel. Vous allez comprendre après. Mais des vrais soutiens du colonel. Après quelques mois, Mamadou Dia en est un. Bien, allez. Non, non, non.